décembre sur mon Facebook, j'avais fait une petite animation, un petit calendrier de l'Avent. Je vous mettais chaque jour une photo, une image qui m'avait fait rire et je vous demandais de commenter. Donc je vous fais cette petite vidéo bonus comme prévu en réagissant à certains de vos commentaires, pas tous hein, parce que sinon on a pour des heures. Donc c'est parti. Il y avait ce couple de chats dans une position un peu étrange pour leur espèce que mon père a fait parler. En cette période hivernale où concrètement à peu près 90% de la population a un rhume, surtout en période de Noël, je trouve que c'est pas très sympa de se moquer des gens qui sont malades. Je vous ai aussi montré cette photo de Lady Gaga dans une tenue vestimentaire un peu... Je pense que c'est vous qui le dites mieux. Donc nous avons par exemple un rien, mais genre pas le petit rien, un grand rien. Et je pense que celle quand même qui l'a décrit le mieux, c'est Elodie, en disant c'est un mélange de Marc Vera pour le chapeau, Polnareff pour les lunettes, Johnny Oulalane pour le blouson en cuir, Julien Lepers pour la chemise cravate, avec un pantalon emprunté à un fonctionnaire de police ou de la sécurité ferroviaire et des chaussures orthopédiques. En gros, c'est un gros et joyeux bordel, ça donne ça. Est relativement ressemblant. Nous avions ensuite cet enchaînement de photos, la première et la deuxième. Le garçon a l'air super fier de lui, je pense que la fille a un peu mal. C'est Elodie, une autre Elodie qui le dit mieux. Putain les cons. Lol. Je vous avais aussi montré cette image que je connais personnellement depuis un petit moment, mais que je trouve toujours aussi drôle. Cette fausse publicité vintage, votre enfant est con ? Faites-en un balai. Alors, j'ai Olivier qui m'a demandé, c'était pas sur Harakiri, mais brrr, je sais pas ce que c'est Harakiri. Ensuite, je vous ai mis cette image de Kim Possible, Kim Possible qui est un dessin animé qui existait dans ma jeunesse et peut-être dans la vôtre aussi, où ils ont une façon quand même de dessiner les bouches qui est un peu étrange. Et en gros, une fois que vous vous dites que ça ressemble à une moustache, il n'y a vraiment pas de retour possible. Kitty me dit, tu viens de gâcher mon enfance. Kitty, je suis désolée. Pardon. Forcément, à la période de Noël, il y a beaucoup d'images en rapport avec Noël, dont ce super sapin chat. Alors moi, ça m'a fait rigoler parce que ça ressemble beaucoup à l'un de mes chats. Vos commentaires m'ont fait rigoler aussi. Mon père propose un chapin de Noël. Bon, elle était facile, mais ok. Ma grand-mère, Lucienne, oui, alors j'ai ma grand-mère sur Facebook, ça ne me pose aucun souci. Oui, je l'ai dans mes amis et je le vis super bien. Donc ma grand-mère me demande comment tu les fais tenir, comment tu as réussi à les persuader, combien tu as investi pour l'achat de Croclux. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je pense que c'est tout simplement l'outil qui s'appelle Photoshop ou un truc dans le genre, c'est pas compliqué, c'est pas cher en croquettes et surtout ça demande aucune capacité en, voilà, en dressage d'animaux. Enfin, Jocelyne me dit le sapin... Dallo Christmas avec un X. Bah c'est ça, ça fait double emploi, c'est-à-dire qu'après on peut aussi faire une guirlande d'Halloween, je pense, avec tous ces chats comme ça, ça fait aussi peur. Retour sur les chats avec cette image de petit chat qui a l'air plein d'entrain. On sait pas trop s'il danse ou s'il va vaillamment vers quelque chose. Je vous avais demandé de me dire quelle musique vous mettriez sur cette image. Alors j'ai eu Olivier, mon frère, Sissi, la famille, qui m'a proposé Happy de Pharrell Williams. Pourquoi pas? J'ai eu Camille qui m'a proposé Eye of the Tiger. Alors, bon, pour moi, c'est une chanson plutôt féroce. Personnellement, ce petit chaton me semble pas trop féroce. Garance m'a proposé Hold On, We're Going Home de Drake, quoi. Alors, au départ, je voyais pas trop ce que c'était cette chanson. Donc, j'ai tapé sur Google, ce qui m'a amené au clip. Alors, finalement, je connaissais juste la musique, oui. Maintenant, Garance... Je conseille les autres aussi de regarder le clip parce que c'est pas exactement le clip le plus gay du monde, mais bon, j'avoue que la musique colle bien. J'ai été étonnée parce que moi personnellement, quand je vois ce chaton, je pense surtout à la chanson des 7 nains dans Blanche-Neige, dans le Disney. Ouais, et oh, on rentre du boulot. Voilà. Bon, je pensais que quelqu'un allait avoir la même idée que moi, mais non. Et enfin, je vous ai posté ce t-shirt avec écrit Noyeux Joël, aka l'expression la plus horripilante de toute cette période de l'année. Et là, je vous ai demandé si d'après vous, il faudrait faire quelque chose contre les gens qui disaient ça. Cindy m'a dit en majuscule avec un point bien ferme. Oui, je pense qu'elle a dû l'entendre un certain nombre de fois. Kitty, de nouveau, me demande parce que ça existe cette expression. Alors Kitty, avant ce jour-là, n'avait jamais entendu cette expression, ce qui m'inquiétait un peu parce que je pense qu'on a tous dû l'entendre au moins un million de fois. Heureusement, deux jours après, elle m'a envoyé un message pour me dire que finalement,
Pendant son réveillon, elle l'avait entendu de la part de son oncle, donc c'est bon, on est sauf. Elodie propose, faudrait étendre la loi à ceux qui tous les ans, le 30 ou le 31 décembre, te sortent. Bon bah, à l'année prochaine, hein. Je confirme. Et enfin, ma grand-mère me dit, je noyerai bien celui qui a abîmé ce beau pull avec cette expression débile. Moi je dis, la vérité sort de la bouche des grands-parents. C'est terminé pour cette vidéo bonus, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse de temps en temps d'autres vidéos bonus comme ça, en plus des épisodes hebdomadaires. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Partagez auprès de vos amis, rejoignez-moi sur la page Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Twitter, @jumkanmood. Et passez un beau réveillon du nouvel an, ciao ciao. On m'a fait remarquer dans la dernière vidéo bonus que j'avais pas dit kiss kiss bang bang, donc... Kiss kiss bang bang.